En fait, je suis née en Polynésie française il y a longtemps, il y a 24 ans. Et j'y ai vécu 6 ans et j'ai eu pas mal de choses de là-bas encore. Enfin, on a adopté un petit frère et tout ça, donc ça me tient à cœur de me faire tatouer et de me faire tatouer polynésien encore plus parce que je viens de là-bas. Voilà. Et je veux faire des choses qui aient. Enfin, je veux me tatouer, je veux que ça ait un sens. Donc, voilà. Donc, parce que ça fait un moment que je suis ce qu'il fait, que j'apprécie ce qu'il fait, le fait qu'il y ait des significations dans ce qu'il tatoue, et c'est ce que j'ai envie de faire sur le mien. J'ai des papillons dans le ventre, mais en même temps, je suis excitée, donc voilà. Oui, un petit, là. Une petite hirondelle. Ouais. Alors, dans ce tatouage, je voudrais représenter justement mon petit frère, voilà, que je tiens beaucoup. Ma nièce, parce qu'il a eu un petit bébé auquel je tiens aussi énormément. Ma maman. Et voilà. Et après, j'aimerais une raie manta en plus, mais ça, c'est parce que moi, j'aime bien le dessin. Donc, ici, ça, ce sont les écailles de tortue. D'accord, c'est un peu la sagesse, la longévité. Ici, de chaque côté, ce sont les motifs de voyage, c'est-à-dire que ça rappelle la naissance à Tahiti. Ici, c'est une raie qui est complètement exclusive, quoi, qui est créée. Mais dans chaque volute de la raie, il y a comme une main, comme si jamais il y avait une action dans la liberté. Ici, en plein centre, c'est la maman. Donc, c'est Temetua Vahine, c'est la femme chef de clan. Ici, après, on retrouve un couple qui se tient par la main et par les pieds, qui danse un peu ensemble, c'est le frère et la sœur. Et juste en dessous du garçon, on trouve une fille qui est en lien avec le tressage du bonheur à la maison. Donc ici, ça, c'est cette pointe-là, c'est la nièce. Ici, ça, c'est toi et ton frère. Et puis voilà, donc l'ensemble qui forme un grand sourire ou même comme un regard avec le tiki au centre. Au centre. Génial. Super. Est-ce que ça te plaît ? Ouais. Oui, oui, beaucoup. De bien réfléchir à ce qu'on veut faire parce qu'après, ça reste toute la vie, mais il faut y aller. C'est génial.